Ok, je viens de remarquer que j'étais en mute, mais donc je la refais. En tout cas, bienvenue à tous pour ce webinaire. Petit souci technique, pas de problème. Comme je disais, on est tous contents aujourd'hui de recevoir Sabrina Collard qui va nous parler aujourd'hui d'une problématique qui nous intéresse tous. C'est pour ça qu'on est nombreux aujourd'hui. Comment évoluer en mode produit lorsqu'on est dans une organisation de grande taille avec pas mal de contraintes comme le secteur bancaire. On fait tous de notre mieux dans notre quotidien pour essayer de voilà, pratiquer l'approche produit comme il faut. L'équipe de Sabrina, on la connaît, on a beaucoup travaillé ensemble avec elle et elle a développé pas mal de bonnes pratiques qu'on a trouvées très inspirantes à partager et qui lui ont permis et qui lui permettent au quotidien avec son équipe de faire du produit malgré tout. Donc Sabrina est là, je vais te donner la parole et tu pourras, voilà, je te donne la parole tout de suite. Hop, super. Donc, Sabrina, je viens de t'inviter. Dès que tu reçois l'invitation, tu peux commencer à prendre la parole. Super. Je pense que Super. Donc, bienvenue. J'étais en train de présenter un peu voilà, ton parcours. C'est vrai qu'on avait échangé il y a quelques temps autour de la pratique que tu avais en tant que product leader au sein de la Société Générale, ce que tu arrivais à mettre en place, en fait, pour pratiquer tous les jours le produit dans le contexte qu'on peut imaginer dans un secteur bancaire, une entreprise de grande taille. C'est pas tous les jours facile. Et pourtant, justement, quand on avait échangé, je m'étais rendu compte que tu avais mis en place plein de choses super intéressantes dont beaucoup de gens pourraient s'inspirer. Donc, c'est l'enjeu aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est voilà, de commencer peut-être à te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, parler un peu du contexte de la Société Générale et puis ensuite embrayer. Bah, je te laisse justement mettre un peu de la présentation entre nous, ce que tu arrives à affronter au quotidien au sein de la SOG. Ça marche, ben, merci beaucoup. Ben, déjà, merci pour l'invitation. Donc, je suis ravie de pouvoir partager mon expérience et ravie ben, du coup, de pouvoir avoir des retours sur ce que je mets en place, avoir un œil, un avis extérieur sur ce que je peux mettre en place. Alors, j'ai juste une question. Donc, si je partage mon écran, du coup, est-ce que vous verrez bien ma presse? Oui, Alors, il faut d'abord. tout le monde verra le support. Ouais. Même si tu ne nous vois pas, moi, ce que je vais faire, donc j'invite tous les participants qui ont des questions à les poser via l'onglet questions, et puis je vais faire la passerelle en interagissant, voilà, avec toi et J'ai juste en un petit. posant. Alors. Juste un petit réglage Pas à de problème. faire. Alors, dites-moi. Ah, il faut que j'aille dans les. Ah, je suis désolée, j'ai un petit réglage technique à faire pour autoriser Google à lire mon écran. Je suis désolée pour les petits. Non, non, pas de problème, on te laisse faire la petite manip. Et puis en attendant, voilà, je le répète au public, dès que... Alors, il va peut-être falloir que je revienne parce qu'il faut que je ferme Google pour que les préférences soient prises en compte. En tout cas, pour les personnes, alors ça peut être... Bon, ben, en tout cas... Tu peux faire la manipulation. En attendant, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le bourbier, ça peut être un moment intéressant pour rappeler pourquoi on fait tout ça. Donc, moi, je m'appelle... Ah bon, bah, en fait, non, ça va, le partage d'écran va. Donc, je m'appelle Adama Vérité, responsable du campus. On fait le bourbier, justement. C'est un format qu'on trouvait intéressant pour permettre à pas mal de personnes de la communauté produit de nous montrer et partager leurs bonnes pratiques, surtout à travers l'échec en particulier. Donc, Sabrina, si jamais tu as rencontré, on va dire, des cailloux sur ton chemin, n'hésite pas à vraiment adresser ça parce que je pense que beaucoup de gens vont s'y retrouver. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir apprendre collectivement et monter en compétence sur le produit. Donc, bienvenue à tous pour ceux qui ne connaissaient pas ce format. Il y a aussi des habitués là. Donc, pour vous, bah, écoutez, c'est un nouvel épisode un peu plus sur une problématique, je dirais, d'organisation produit. Sur ce, maintenant que tu as pu
remettre ton écran. Je te laisse présenter tout ça. Merci Adama pour l'introduction. Désolée pour le petit problème technique. Donc, comme l'a introduit Adama, donc moi je vais parler de comment évoluer en mode produit dans une structure orientée projet. Alors, j'ai préparé mon intervention. Alors, je ne vais pas commencer par... pourquoi je commence pas par me présenter, tout simplement parce que je l'ai prévu dans mon intervention pour que ça prenne du sens, en fait, avec ce que je dis. Donc, voilà. Donc, il y a 5 points à aborder. Et je vais commencer tout de suite, du coup, par la présentation. Mais je vais commencer par le Lab. Donc, le Lab Innovation a été construit donc, pour répondre aux besoins des collaborateurs du groupe et non des clients de la banque. À la Société Générale. Il a été créé en 2014 parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins utilisateurs qui n'étaient pas forcément répondus dans le sens où c'était peut-être des besoins nouveaux, c'était des besoins qu'on ne savait pas adresser, donc technologiquement parlant ou méthodologiquement parlant, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais voilà, donc par exemple, le premier projet du LAM a été de travailler avec le robot Pepper, donc pour développer un Pepper qui soit à l'accueil de la Société Générale, que vous pourrez voir si vous passez dans les locaux, donc qui s'appelle Trobo. Mais là, avec le Covid, je ne sais pas s'il y a encore. Enfin, voilà. Mais voilà, donc comment a débuté le LAM et comment aujourd'hui on est vraiment beaucoup plus orienté produit et structuré. La seule chose qui n'a pas changé, en fait, c'est qu'on reste une très petite équipe à côté des grosses équipes, c'est-à-dire que nous, on est 5 avec une UX interne qui va arriver là d'ici peu. Donc, on va être 6 internes avec 3 alternants. Donc, on est vraiment une petite équipe. On a un petit module à côté d'équipes qui font vraiment peut-être 20 personnes, parfois même plus. Et puis, dans l'histoire du Lab, ce qui est important aussi à dire, c'est que on est dans un environnement bancaire. Et puis, un jour, l'innovation, c'est devenu un peu un mot à la mode, c'est devenu un peu un buzzword, c'est devenu un peu, il faut qu'on ait de l'innovation, il faut qu'on ait un lab chez nous, donc on va le créer. Donc, voilà comment il a été un petit peu créé. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est que ces missions n'étaient pas forcément claires et très cadrées. Et donc, c'est vraiment un travail qu'on a fait au quotidien, auquel j'ai participé. Et donc, justement, donc je vais parler de moi maintenant, donc moi et le LAM. Donc, moi, je suis arrivée en 2018 dans le LAM en tant que Scrum Master parce que les projets qui étaient réalisés, c'était surtout des projets technologiques et qui avaient besoin du coup d'un encadrement parce que c'était surtout des développeurs qui bossait, donc il a fallu organiser un petit peu le travail. Et puis dans mon rôle de Scrum Master, je me suis aperçue qu'il y avait quelques manquements, hein. Même si on travaille sur des produits technologiques, il faut quand même penser à l'expérience utilisateur, parce que notamment sur le paper, il faut que quand même sur sa tablette, il y ait une expérience utilisateur qui interagisse au bon moment. Donc c'est pour ça que je me suis formée à l'UX, UI Design, et donc c'est une des compétences que j'ai aujourd'hui et que je réalise au sein du Lab. Et puis, une fois que je faisais des maquettes, je me suis aperçue qu'il y avait besoin d'une vision encore un peu plus haute entre mon job de Scrum Master, parce que comme dans toutes les petites équipes, on est multicasquette, on a tendance à prendre plus de casquettes que dans l'essai. Mais voilà, en tant que mon job de Scrum Master et du UX UI Designer, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment quelque chose de plus global, c'est-à-dire de pouvoir faire un cycle complet parce que pour dépendre le moins possible d'équipe, pour toujours sortir plus vite des produits. Et donc j'ai eu des nouvelles casquettes qui sont arrivées, donc Product Coach et Product Designer. Alors Product Coach, ça dépend vraiment de la maturité de l'idée. Parce que donc, chez nous arrivent des idées. Donc, ça dépend vraiment de la maturité de l'idée. Donc, si vraiment l'idée, les profils qui tiennent l'idée sont assez matures, que l'idée est assez mature, dans ce cas, j'ai plutôt adopté une casquette de coach, product coach. En revanche, si vraiment il y a du travail parce que les profils n'ont pas l'habitude de travailler en mode produit, que ça les sort vraiment de leur zone de confort, que l'idée n'est pas mature, là, je vais vraiment prendre plus les devants, être beaucoup plus présente en tant que product designer. Et puis, donc, comme je le disais, l'équipe s'est agrandie et la phase UX-UI a pris de plus en plus d'importance. Et donc, on est arrivé parfois jusqu'à 4 UX-UI. Et donc, j'ai pris cette casquette un petit peu de product lead pour, du coup, gérer tout le pôle produit.
Et puis en parallèle de ça, donc moi je suis entrepreneur, donc c'est vrai que pourquoi je le signale, tout simplement parce que dans une petite structure comme le lab, où on doit avoir plusieurs casquettes et faire pas mal de choses, sachant qu'on n'est pas non plus une équipe autofinancée et qu'on a besoin d'aller chercher nos financements tout au long de l'année, donc bah, tout ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat m'a vraiment été très utile pour pouvoir structurer et donner de l'impulsion au lab pour être le lab qu'il est aujourd'hui. Et mes constats. Effectivement, je voulais juste rappeler quelque chose. Moi, c'était ce qui m'avait marqué quand on avait interagi la première fois, le nombre de casquettes que tu portes. Je pense que ça va être intéressant aussi peut-être qu'il y aura un Q&A autour de ça, mais très important à noter que au sein de ton équipe, en fait, tu portes un grand nombre de périmètres et surtout le périmètre entrepreneur. Je pense que ça vaudra le coup d'en rediscuter. J'ai interagi avec pas mal de product managers qui évoluent dans des structures où il y a des notions effectivement de chiffrage de user story ou de projet auprès d'une DSI, ou bien il faut constamment en fait déporter un peu l'effort auprès d'autres acteurs de la grande structure. Ce serait intéressant qu'on parle des moyens justement que tu réussis à mettre en œuvre pour faire vivre un peu le mode produit, l'agilité avec ce type de contraintes là. D'accord, très bien. Donc, on se garde ça pour la dernière partie. Q&A, ça marche. Du coup, dans mes constats, parce que du coup, fin 2019, donc on ne savait pas qu'il y avait encore le Covid, qui allait arriver. Donc, fin 2019, il y a une grosse réorganisation profonde, vraiment structurante au sein de la Société Générale. Et on a été fortement impacté. Et donc, on s'est dit à cette occasion-là, on va changer complètement de département. Donc, on allait passer d'un département transverse à un département data. Il voulait rapprocher l'innovation et la data. Et donc, ça a changé quand même structurellement les choses. Et donc là, on s'est dit, fin 2019, on va faire le constat de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et puis, on va voir pour se réinventer parce qu'il y avait besoin, voilà, dans nos constats, on se rendait compte qu'on était plutôt vu comme un service de recherche et développement. Donc, en fait, les gens ne voyaient pas notre utilité. Et d'ailleurs, on avait souvent des réflexions qui disaient tiens, ils sont encore en train de faire joujou. Parce que oui, effectivement, dans Paper, une fois, ça nous arrivait d'amener un fer à souder et de se refaire souder un câble dans la tête. Mais voilà, mais on faisait pas joujou. On livrait quand même des produits. Le Paper est à l'accueil et tout ça. Et puis, il y a aussi un changement de manager, c'est-à-dire que le responsable du lab est parti à ce moment-là. Donc, il y a un nouveau responsable qui est arrivé. Et donc, il y avait aussi c'était aussi l'occasion de se réorganiser, tout nous ramener là-bas, vers la région. Et puis, on a aussi appris, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses, c'est que il n'y a pas de la politique au gouvernement, il y a aussi de la politique dans les grands groupes, et que c'est très important et il faut le prendre en compte. Donc, il faut savoir naviguer, il faut connaître les règles et les codes. Et donc, ça fait partie des constats. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu notre environnement, parce que dans les constats qu'on a fait, on a d'abord étudié notre environnement, notre contexte. Donc, nous, on travaille dans une banque, donc la Société Générale. Donc, on est dans l'univers bancaire, donc l'univers qui est strict, qui est très procédurier, tout ce qui va avec la banque. On est aussi dans une banque qui a 157 ans. Donc, c'est pas anodin parce que, on voit que c'est une banque qui a toujours su se réinventer, qui a toujours su faire face à des problématiques, des situations, des crises ou autres. Et donc, il y a une forte. Tout ça pour dire que la banque, c'est pas comme une start-up, elle s'est pas créée maintenant en mode produit directement. Elle s'est créée en mode pas projet au tout début, il y a 157 ans, je sais pas comment elle s'est créée. Il y a quand même une forte empreinte du fil des ans sur les profils, sur la façon de travailler. Et c'est pas comme une start-up où quand tu démarres, tu fais directement du produit, tout le monde travaille produit. Et là, non, c'est pas du tout le cas en fait. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les profils parce qu'il y a des profils de tout type. Donc, il y a des tranches d'âge différentes, il y a des catégories socio-professionnelles qui sont aussi différentes. On est vraiment. Mais on peut quand même. On peut quand même dessiner des personas. Donc, si on regarde dans les profils de la banque, en général, c'est plutôt le bon père de famille qui a son pavillon en banlieue, avec femme et enfant, son petit chien qui rentre tous les soirs chez lui. C'est quelque chose de très, très, très synthétisé, très,
très caricaturé. Mais voilà, quand même pour montrer qu'on peut quand même dessiner des personas et on peut quand même faire des segmentations à l'intérieur. Et surtout, c'est un exercice que tu fais, la segmentation vraiment, ou tu l'as dans ta tête pour toi, est-ce qu'il y a un apport à vraiment essayer de structurer ça? Alors, oui, il y a un apport à le structurer tout simplement parce que comme il y a de la politique à l'intérieur du groupe, tu ne vas pas t'adresser à une personne qui a la cinquantaine d'années, qui a fait X département, qui a fait toute sa carrière à la Société Générale, comme tu vas t'adresser à une personne qui est arrivée il y a 2-3 ans, qui a plutôt la quarantaine. Voilà, c'est très important de distinguer ça dans la manière où on va aborder les problématiques et la manière dans lesquelles on va les communiquer. C'est-à-dire qu'il y a une communication beaucoup plus traditionnelle avec des profils plutôt seniors et une communication beaucoup plus moderne, si j'ose le terme, avec des profils plutôt dev et tout ça, quoi. Donc, ça reste important. Y compris dans les notions d'agile, par exemple, tu dirais sprint à quelqu'un qui a fait 30 ans de SOG, qui a 50 ans, ou t'adaptes, d'accord. Ouais, non, bah oui, c'est pour ça que j'y reviens tout à l'heure dans le produit qu'on a créé, où la communication, le coaching est une tangente et qui a un impact énorme. Donc, ouais. C'est bien pour ça que. C'est bien pour ça qu'il faut quand même qu'on l'ait en tête, en fait. D'accord. Et donc, le point principal qui nous amène ici aujourd'hui, c'est qu'à la Cité Générale, ces dernières années, il y a une forte culture projet qui s'est installée. Donc, qui s'est installée, pourquoi ? Parce que ça permettait, dans des grands groupes cloisonnés, donc avec un service marketing, un service achat, un service IT, un service business, ça permettait de se centrer du coup sur les processus ou les ressources pour atteindre un objectif commun. Et donc, du coup, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait aussi très bien parce que le monde allait vachement moins vite, qu'on pouvait se passer le projet de service en service le temps qu'il fallait. Mais voilà, aujourd'hui, ça a quelques travers parce que le monde a changé, la société a évolué. Et donc, ça a quelques travers aujourd'hui. Et donc, ce manque de flexibilité qu'on peut rencontrer dans la culture projet, fait que les produits et les services qui sortent sont déjà à leur sortie inutiles ou obsolètes. Et donc, ça, c'est un grand constat qu'on fait dans la gestion de projet, c'est que le temps que tu discutes en chambre, les utilisateurs, ils ont déjà changé 3 ou 4 fois de comportement. Et donc là, ça ne marche plus, en fait. Et ça marche, comme je disais, nous, on s'adresse aux collaborateurs du groupe et pas aux clients de la banque, mais à l'intérieur du groupe, c'est pareil, en fait. Il y a tellement de nouvelles technologies qui sortent, il y a tellement de nouvelles façons de... Puis maintenant, le fait que la formation est accessible très facilement par Internet, par des réseaux sociaux, par des blogs et tout ça, ça change la donne, en fait. Donc, c'est le constat qu'on a fait également, c'est que, du coup, les objectifs... où l'objectif d'un projet va changer tous les 4 matins parce que le monde va vite, parce que le monde évolue, parce que les gens voient autre chose mieux à côté aussi. Et donc, du coup, ça a un autre des travers aussi, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur Excel et en réunion. Donc, en fait, on est loin du terrain parce que Excel, mine de rien, moi, j'étais PMO dans une ancienne vie. À la fin, je remplissais juste un fichier Excel pour remplir un fichier Excel. Je n'allais pas forcément prendre des données terrain, je mettais des chiffres dans des cases. On en était arrivé là, en fait, parce que ça changeait tellement que, à un moment donné, tu ne vas pas demander tous les jours aux gens le chiffre qu'ils ont fait. Donc, voilà, c'est des choses qui nous maintiennent, du coup, finalement, loin du terrain. Et donc, en produit, on sait que c'est hyper important. Et puis, il y a aussi un changement à voir, c'est que les profils sur le marché du travail ont changé parce que la société a évolué. Donc, on ne va plus retrouver... Les profils, si on cherche un développeur, il ne va pas chercher à faire que du développement dans son coin et qu'on vienne pas lui parler. Au contraire, maintenant, les développeurs, ils ont, en tout cas dans l'équipe, ils ont vraiment un esprit où ils vont aussi faire des présentations, ils vont aussi être consultants techniques, ils vont pouvoir mettre en œuvre d'autres soft skills qu'ils ont. Et puis, surtout, c'est que la culture projet ne permet pas d'évoluer dans un contexte incertain avec un ROI instable ou incalculable. J'ai posé le mettre dans les slides. Incalculable. Donc ça, c'est des choses que nos managers plutôt seniors attendent, qu'aujourd'hui, on ne peut pas leur donner une planification aux petits oignons en leur disant exactement ce qui va se passer parce qu'on apprend
on fait beaucoup de discovery, donc on apprend sur le terrain. Et puis, le ROI, il y a des fois, le ROI, tu ne le vois pas tout de suite. Hein, ça va peut-être, tu vas peut-être faire un produit qui, en MVP, va impacter 5 utilisateurs, mais tu sais qu'il y a un potentiel de développement derrière, mais ça, c'est hyper difficile à calculer. Je le rappelle, on est dans une banque, donc les chiffres sont méga importants. Moi, je pense que ça va être ultra intéressant que tu nous parles effectivement de cette relation avec les différentes, j'ai envie de dire les différents niveaux d'ailleurs de manager, parce qu'il n'y a pas qu'un N plus 1, j'imagine bien. Ça, c'est un enjeu ultra, ultra classique et voilà, la demande de visibilité à parfois 6 mois, 1 an, la gestion aussi du ROI, voilà, pouvoir chiffrer carrément des features et tout. Si toi, tu as des, voilà. Qu'est-ce que tu as rencontré? Comment tu as pu le gérer? Ce serait intéressant de voir ça. Oui, bah en fait, on le rencontre très souvent. Alors, des fois, il y a des initiatives qui sont très bonnes mais qui meurent dans l'œuf, on peut dire, parce que ça impacte que 5 utilisateurs, même si on sait que la valeur que ça va leur apporter et l'efficience que ça va leur apporter est énorme. Donc, voilà, nous, il y a plein de petits sujets qui ont démarré, qui sont perdus. Bêtement, j'ai envie de dire. Alors, je suis dans une salle, on m'entend, mais voilà, je trouve que c'est bêtement. Et puis, voilà, après, il y a des projets aussi où c'est comme nous, on adresse des problématiques qui peuvent pas être traitées ailleurs dans le groupe. Il y a un moment donné, se pose quand même la question de qui va récupérer ce qu'on a développé. Nous, on arrive, on vient pas en donnant un budget en disant voilà, vous avez le budget pour faire ça. Nous, c'est plutôt, on a fait ce produit-là parce que c'était utile, c'est utilisé à petite échelle. Maintenant, s'il faut industrialiser, on vous le donne, mais il faut que vous mettiez en place les équipes derrière. Donc, c'est du budget. En plus, nous, on ne vient pas en donnant un produit avec le budget. C'est plutôt, voilà, vous avez ce produit-là qui répond à une problématique, trouvez le budget. Et donc là, c'est compliqué aussi. Ça peut aussi faire taire des initiatives parce que y a des DSI, il y a certains clients qui ne souhaitent pas mettre le budget derrière, en disant non, moi, ce n'était pas prévu dans ma roadmap, donc non. Même si les utilisateurs disent oui, c'est hyper, on en a besoin. Mmh. Après, on tente des nouvelles choses. Hein. Du coup, on tente de faire du crowdfunding en disant il y a peut-être plusieurs départements, comme ça répond à un besoin transverse, il y a peut-être plusieurs départements qui peuvent participer. Mais encore une fois, c'est des choses nouvelles, c'est des choses qui n'ont jamais été faites. Donc, ça prend du temps. Et donc, moi, je sais que j'ai on a un produit qu'on a maquetté début d'année qui aujourd'hui n'est toujours pas sorti parce qu'ils sont encore en train de discuter de comment faire le crowdfunding à l'intérieur de la Cité Générale. Donc voilà, ça bouscule vraiment, ce mode produit bouscule vraiment tous les codes qui pouvaient être établis. Et c'est pour ça qu'on a un lab innovation également. Hein. Mais voilà, ça demande de revoir aussi. Dédoter les personnes, changer les habitudes, essayer de collaborer un peu plus. Donc voilà. Donc suite au constat qu'on a fait sur un petit peu notre environnement, donc du coup on s'est dit on a qu'à construire notre propre produit. Donc le lab est un produit aujourd'hui, comme une boîte avec sa raison d'être, sa manière de fonctionner, et puis après cette boîte on peut la mettre dans une partie de l'organisation ou dans une autre partie, la boîte reste la même. Parce que oui, souffrir des réorganisations, c'est pas évident quand il faut repartir à zéro, de tout reconstruire des équipes. Donc on s'est dit on n'a qu'à devenir notre propre produit. Avant d'avancer sur ce volet, Sabrina, il y a une question qui est, malgré l'aspect innovation, est-ce que vous pensez à l'industrialisation future? C'est souvent ce qui est reproché aux structures comme le lab, effectivement, des initiatives naissantes, mais comment est-ce que on arrive en fait à, je dirais entre guillemets, scaler peut-être l'organisation, si j'ai bien compris la question en tout cas. Je pense avoir compris parce que c'est une des problématiques qu'on a faites. Et donc, c'est pour ça que je disais que, quand je présentais mes différents rôles, c'est pour ça que je disais que j'avais évolué vers des rôles de product coach et product designer. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte seulement le traitement solutionner la problématique, on prend aussi dans la solution en compte le contexte, c'est-à-dire que on va regarder l'interopérabilité avec le SI, on va regarder les enjeux politiques, est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, on va faire de la veille interne et externe à savoir s'il n'y a pas déjà une solution qui existe qu'on pourrait réutiliser.
On pense vraiment au scale dès la vision produit, en fait, dès les premiers ateliers. Nous, on a vraiment on connaît notre environnement, on connaît notre contexte. D'accord. On va aussi jouer avec la confidentialité des données. Si on a des données confidentielles, eh ben, il faut qu'on monte une architecture avec une infrastructure qui est sur des serveurs dédiés. Donc ça, c'est des choses qu'on prend en compte dès le début, en fait, parce qu'on sait qu'on aura besoin de tout ça. Et donc, on arrive vraiment à scaler. On a des succès de scale. Hein. Il y a un chatbot qui, maintenant, est une offre de service à part entière du groupe, donc qui est déployé dans tout le groupe. On a également, là récemment, on a créé une CVT. Donc, c'est parti d'un petit besoin. Et finalement, ça s'agrandit. On a fait des démonstrations jusqu'au directeur, jusqu'au DRH. Et puis, là, aujourd'hui, c'est en prod, ça tourne, ça continue d'évoluer. Là, on est en train de passer la main, du coup, à l'IT qui est légitime en face de ce business. Ouais. Et puis, on a fait une présentation pas plus tard qu'hier ou avant-hier à Lima, donc l'Innovation Maker Alliance, pour montrer tous les progrès qu'on a fait sur ce petit MVP qui est devenu un grand bébé. C'est fou, c'est un écosystème à part entière, en fait, rien que dans la Société Générale. Donc, en fait, ce que tu nous dis là, c'est que ta phase d'exploration, ce que j'aurais dit, d'exploration du besoin utilisateur, stratégie et vision, tu la complémentes. C'est comme si tu faisais un Lean Canva, mais en rajoutant toutes les cases, grosso modo, état du SI, interopérabilité, politique, en fait, t'es multifactoriel et tu vas un peu plus loin que les outils un peu standards du produit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et enfin, ça fait vraiment partie de la construction d'un produit parce que c'était un des constats du lab quand on était pris comme un bureau de R&D, hein. C'était qu'en fait, c'est bien ce qu'on fait, mais on ne pourra jamais le mettre dans le SI. Et à un moment donné, on s'est dit, on sait le mettre hors de le SI, on sait respecter des standards, on les connaît, donc on va les appliquer. Et donc, on arrive à faire des POC très rapidement en appliquant les standards. Donc, ça aussi, ça fait partie, c'est un côté un petit peu innovant dans le groupe. Super. Complètement. Gisèle, pour construire notre produit, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer, hein, mais on a analysé un petit peu les constats, comment on pouvait nous améliorer, et puis aussi nos forces. Hein, on connaît le monde produit, on a des bons devs, on a de l'UX design, on a un manager qui est capable de nous trouver des sujets, de faire un petit peu cette casquette de biz dev. On a des profils qui sont... Alors, ce qui est cool, par contre, c'est qu'on est tous des profils ayant à peu près la même tranche d'âge. Donc, ouais. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour la communication. Enfin, voilà, nous, on est très digitaux, donc on communique beaucoup digitalement. Et on sait que quand on fait des recrutements, des onboardings, on fait attention à ce que les personnes soient à l'aise avec le digital. Donc, c'est le fait d'être dans la même tranche d'âge, c'est sympa. Et pour la petite histoire, avant qu'ils le disent, hein, je suis la plus vieille du lab. Donc c'est dit, c'est fait. Non, parce qu'ils aiment bien me le rappeler quand même. Donc on a vraiment fait une analyse des constats, on a regardé nos forces, on a regardé ce qui était possible, ce qu'on connaissait, ce que chacun de nous était prêt à mettre à table, parce que, comme je disais, on n'est pas... moi, je n'étais pas que Scrum Master, on a tous des soft skills et des hard skills, et qu'est-ce qu'on a envie de donner au lab. Donc, on a vraiment fait un mélange de tout ça, puis on a fait une proposition au management en leur disant, donnez-nous 6 mois pour survivre. Donc, c'est le plan, 6 months to survive. Donc, donnez-nous 6 mois pour survivre, voilà ce qu'on va faire. Donc, on a été financé donc, on a eu un go. On a été financé pendant 6 mois parce que, comme je le rappelle, on n'est pas une équipe autofinancée, on doit aller trouver nos clients. On est vraiment comme une start-up, d'où l'entrepreneuriat qui est très important dans mon contexte, en fait. Savoir marketer les choses, savoir faire de la com, savoir créer des visuels, savoir faire des pages de vente. Tout ça, c'est hyper important. Mais on est venu, on leur dit, le plan qu'on vous propose, financez-nous pendant 6 mois. On se remet dans le bain, vous verrez les résultats qu'on vous promet. Et donc, on a fait ce plan-là. Et donc, ça, c'était le plan de début 2020, donc de janvier 2020 à juin 2020. Et donc, on est en 2021, on est toujours là. Donc, c'est qu'on a réussi. Et ce qui est plus important au-delà de la réussite, c'est qu'on a vraiment réussi à rendre l'innovation pragmatique, itérative et utile. C'est-à-dire que, avant, on était vu comme un truc de R&D. Après, on nous disait, on ne sait pas à qui donner ça, on n'a qu'à donner ça au lab. Donc, c'était pas non plus très plaisant. Mmh. En plus, des fois, on nous donnait des patates chaudes. On disait, vous savez qu'on n'est que 5
Donc voilà, donc c'était voilà, mais nous on a vraiment réussi à donner cette image de l'innovation à la Société Générale. Donc on en est très content. J'ai peut-être une question au-delà de la survie. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur peut-être la culture produit en fait de la Société Générale, hein, de manière un peu plus globale? Vous êtes plus visible, on voit quelques résultats de votre part. Est-ce que ça joue aussi Oui, alors complètement, hein, parce que je vais revenir après, hein, mais complètement parce que dans notre façon de faire, on a beaucoup misé sur la visibilité, sur la communication, en dehors de tous les livrables, produits, de tout ce qui est produit, on a vraiment misé beaucoup là-dessus. Et donc, comme je disais, donc on a la CVTech qui a été présentée à Lima cette semaine, et la CVTech tourne, elle a été vue par des grands, des grands patrons de la Société Générale côté RH, et puis on a plein d'autres petits succès. Donc voilà, on a été capable de faire des API, on a été capable de faire de la data, on a été capable de voilà d'aider à de débloquer des situations. Et en fait, non, on a vraiment une valeur. Et puis de toute façon, dans chacun des all staff qu'on fait récemment, on a toujours un projet à présenter. Parce que l'une de nos forces aussi par rapport à la culture projet, c'est que nous on a du concret et on a du livrable très rapidement. Et donc, chaque all staff, donc il y a lieu, je crois que c'est une fois par trimestre, on a toujours un sujet à présenter. Donc ça, c'est quand même une grande réussite, c'est quand même de la visibilité. Mais tout ça, voilà, c'est du travail de construction. Et comment est-ce qu'on met tous les canaux en place pour le faire? Et donc, ça répond à ce que tu dis. Enfin, dans le LinkedInova, tu as toutes les cases, tu as notamment la concurrence et puis les canaux que tu utilises. Bah, du coup, on est vraiment là-dedans. Okay. Ouais, j'ai répondu à ta question ou pas, je pense. Non, c'était parfaitement ma question. Effectivement, il y a tellement un enjeu de. Mais en fait, peut-être que tu vas en parler. Mais quand on évolue en mode produit dans un contexte qui est projet, en fait, on peut avoir ce rôle d'évangélisation, je dirais. Ça vient par les résultats, ça vient par la pratique, parce que tu commences à déciloter les personnes, tu vas essayer de crowdfunder, c'était quelque chose peut-être qu'ils ne voyaient pas avant. Et l'enjeu de visibilité, de communication interne, il est énorme, et j'imagine que... Avec les règles. Parce qu'on ne communique pas comme on veut dans un grand groupe, il y a des règles à respecter, il y a des départements communication. Interne et externe, donc on ne fait pas ce qu'on veut, hein. on n'est pas libre, donc on a vraiment un écosystème à appréhender pour pouvoir avancer. C'est le hard funnel en interne aussi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on va faire, qu'on propose de l'innovation pragmatique, comment est-ce qu'on va le faire, hein? Donc nous, on a vraiment misé sur des offres de services qui résolvent des problématiques. Donc, c'est pas on lance une idée, parce que nous, on travaille beaucoup avec des ingénieurs. Donc, les ingénieurs, ils ont souvent les solutions avant d'avoir les problèmes. Ouais. Donc, nous, on apporte vraiment notre avantage différenciant, c'est vraiment d'abord, on va trouver les problématiques et ensuite, on va les solutionner. Et pas ce qui peut se faire et ce qui pouvait se faire. Et puis, surtout qu'on y va step by step, hein, parce que la culture projet, c'est quoi? C'est tout de suite une grande gouvernance mise en place. C'est tout de suite plein de monde sur le projet. Et c'est tout de suite, on va faire une roadmap énorme. Et nous, en fait, on a vraiment cette pratique des petits pas, donc du step by step. Et donc, on y va step by step, on résout un problème. Tout ça englobé quand même dans une vision produit, parce qu'il ne faut pas qu'à la fin, nos problèmes deviennent des rustines des autres problèmes et inversement. Et puis, ce qui est important aussi, surtout, c'est à moindre coût. Parce que je le rappelle, on est dans la banque. Donc le moindre coût est important. Et nous, comme on arrive à faire du moindre coût, c'est tout simplement en ayant tous les bons profils dans une seule et même équipe, c'est-à-dire qu'on a un cycle complet. Qui va de la conception au développement jusqu'à la visibilité, le market et les présentations, la vente. Donc on a vraiment tout ce cycle-là. Et puis le fait d'être une équipe stable aussi, du coup le coût est moindre parce qu'il n'y a plus ces frais d'onboarding, on peut dire. Donc ça joue beaucoup. Dans notre démarche aussi, ce qui pour toujours répondre aux besoins. De nos clients, hein, ça va être des livrables très présents parce que le mode produit, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Par contre, ils en ont entendu parler parce que le bon coin, Blablacar,
Enfin, voilà, pour ne citer que en entreprise française, bah, ça marche, c'est une start-up, c'est une des grosses entreprises. Donc, ils s'y intéressent sans vraiment connaître, mais en sachant que ça marche. Donc, nous, on a vraiment misé sur des livrables très présents, ça fait partie de la communication aussi. Hein. Donc, voilà, donc une offre claire, des livrables présents, de la communication. Et comme ça, bah, on peut répondre aux besoins. Alors, ça, c'est une phrase, je suis très fière quand je l'ai mise. Hein. On peut répondre aux besoins des utilisateurs avec le portefeuille des top managers, parce que c'est clairement ça qu'on fait. Parce que ben, nous, même s'il y a des utilisateurs qui viennent nous voir, pour qu'ils aient le budget, pour qu'on puisse le faire, pour que ça ait lieu, ben, faut vraiment aller pitcher devant le top manager. Les top managers, c'est vraiment comme des business angels, en fait. C'est ça. Et justement, il y a une question qui est parfaitement liée à ça, et j'ai vu venir aussi, c'est souvent, ça passe par une décision du top manager, un go ou un no go, mais c'est toujours avec conditions, entre guillemets, sur conditions de budget qui sera allouée, conditions peut-être de périmètre, souvent de délai aussi, de la vision claire sur un calendrier. Donc en fait, ce fameux, on revient au triangle coût délai périmètre du projet. Et une des questions que je vois là, c'est comment avez-vous adressé justement ouais, les attentes des dirigeants qualité coût délai dans un mode projet. Nous, on leur a clairement dit que bah, quand on est en conception, on ne peut pas leur fournir des réponses claires, notamment bah, par les livrables très présents, cette communication qu'on fait et les offres claires qu'on a, ils savent notamment dans quoi ils mettent les pieds. Et puis, bah, comment on leur adresse bah, c'est qu'en général, au bout de... Nous, on fait des time box de 10 semaines max. Donc, en général, déjà, au bout d'un mois, on a des résultats probants. Et en général, ça répond à leurs attentes. En un mois, plutôt que projet, ils ont juste à sortir une roadmap et encore. Et justement, bah, c'est intéressant ce système de time box. Si on n'est pas en capacité de time boxer, parce qu'on n'a pas encore la vision sur ce que sera le produit, parce que voilà, on ne connaît pas d'avance, on est encore en recherche. Comment est-ce qu'on fait pour négocier un budget dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut avoir des rallonges? En fait, ce qui va avec la time box, c'est un forfait. C'est-à-dire que nous, pour répondre à cette problématique de rallonges, de coûts budgétaires, parce qu'en fait, on ne sait pas. On se retrouve à faire des estimations tous les 4 matins pour dire bah, finalement on pense que c'est ça mais on ne sait pas trop. Par contre nous ce qu'on a vu c'est qu'il y avait souvent une fourchette qui se dessinait. Donc du coup nous on fait des forfaits, on vous dit bah voilà pour 10 semaines tel budget vous aurez un scope qui sera alors en tout début quand on démarre on dit bah voilà vous aurez au moins de la conception si c'est possible du développement. Et en fait, ce qui est sûr et certain, et ce qu'on arrive toujours à faire, c'est à faire de la conception au moins pendant les 10 semaines. Donc, on est sûr de sortir avec un proto ou des maquettes. Même si les devs ne sont pas faits, on est sûr qu'au bout des 10 semaines, on a un résultat probant. Et en général, on n'est pas 10 semaines pour y arriver. Mais déjà, c'est quand même beaucoup, c'est pas rien de faire accepter à un top management qu'un résultat probant est une maquette. Alors ça, oui et non. Ça, oui. Je pense que c'est une fausse bonne idée qu'on a parce que en mode projet, avoir ne serait-ce une première interface, ça prend déjà quelques mois. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que le fait de présenter des maquettes, au début, on présentait des maquettes et les gens étaient, enfin, le top management était genre super content. Ils disaient, waouh, je vois quelque chose, je vois ce que ça va donner. J'ai pas un slide deck devant moi, j'ai pas 20 pages de spec devant moi. Il fait, je vois ce que ça va donner. Et le fait de le rendre cliquable, le rendre interactif, bah, du coup, là, ils se disent, waouh. Si, en fait, au contraire, on n'a pas eu besoin de vendre. Que le fait que la maquette, le proto soit un livrable, c'était plutôt eux qui nous ont fait prendre conscience que c'en était un, parce que quand on voyait leur réaction, ben on était content. Puis après, on sait qu'une fois qu'on arrive à sortir la maquette ou le proto, ben en fait en général, comme on est en mode produit, on a répondu à toutes les dépendances, toutes les hypothèses qu'on a pu soulever. On a pu les valider ou les invalider. Donc on sait que nous, une fois qu'on a sorti le proto, le développement derrière, il n'y a pas trop de... Vraiment, on est quand même hyper confiant. On est quand même hyper confiant parce qu'on a résolu les hypothèses. C'est le MVP. En fait, c'est une présentation d'un MVP. Toutes les hypothèses sont validées. Il n'y a plus qu'à
développer après. J'ai trois autres questions, voire quatre. Il y en a beaucoup. Est-ce que je te laisse avancer ou on les prend maintenant? Je suis en train de me dire. Bon, je vais commencer avec celle-là. Alors, comment assurer une communication efficace au sein des équipes jusqu'à la présentation aux équipes terrain concernées? Alors, j'ai pas bien. Est-ce que tu peux répéter? Bah effectivement, si Jérémy, tu peux. Ah oui, en passant uniquement par le middle management ou en partant de discovery terrain concrète. Comment assurer? Alors, c'est comment en fait, comment on communique en interne et en externe. Ben, en interne, on est hyper transparent les uns avec les autres, c'est-à-dire que tous les mails qui passent, on met systématiquement la mailing list du lab dedans. Donc, en fait, on voit tous les mails passer. Donc, ça, c'est une première chose. Après, on a un outil de communication. Avec des channels et tout ça, donc qui permettent d'être toujours up sur toutes les news. Donc, dès qu'il y a quelque chose, ben, on envoie une news à l'intérieur et puis on a bien organisé avec des channels et tout ça. Et en externe, ben, ça passe soit directement par les utilisateurs qui viennent nous voir, qui ont leur propre top management, soit par notre middle management. Mais en général, on arrive assez vite à moi, ce qui est pour moi une plus 4, on arrive assez vite à un directeur de département. Et plutôt sur le côté les personnes très opérationnelles, très proches du user final. Alors, ce n'est pas forcément ton scope, c'est pour ça aussi peut-être que tu n'auras pas le sujet, la réponse, mais par exemple, des responsables d'agence qui sont en front avec les utilisateurs du quotidien, est-ce que tu arrives à les trouver, sachant qu'eux parfois sont bombardés de mails de Société Générale Corporate, ça peut être difficile de les toucher hein. Bah, en général, non, pas trop. Parce qu'en général, quand ils viennent, ils ont vraiment un problème. Ils ont vraiment des difficultés au quotidien, ils ont vraiment des irritants. Donc, quand ils viennent, ils sont plutôt contents. Et puis, en plus, on a vraiment, comme tout atelier, hein, on fonctionne avec des post-it, des trucs sympas. Voilà, on essaye d'enjoliver un petit peu les choses. On arrive vraiment à être productif, mais dans la joie et la bonne humeur. Et donc, du coup, les utilisateurs, ils sont en général plutôt contents de participer à ce qu'on fait. Et ils sont contents pourquoi aussi ? Bah, parce qu'en fait, très rapidement, donc parfois en même pas un mois, en une semaine ou deux, on arrive à déjà leur apporter du concret. Et donc, le concret, ça peut être déjà leur faire prendre conscience que leur vraie problématique, c'est pas ce qu'ils pensaient, mais c'est plutôt autre chose. On peut déjà mettre en place quelques actions. Et puis après, le fait qu'on voit des maquettes tout de suite arriver, là, du coup, ils se projettent. En fait, en livrant vraiment du concret, délivrable très souvent, on arrive à embarquer les gens parce qu'ils voient ce que ça donne. Culture projet, on ne voit pas. Dans la culture projet, tu vois des documents passer, tu vois des slides passer, mais tu vois très peu finalement le produit qui est en train d'être construit. Donc, on n'a pas trop de difficultés à embarquer. Comme il y a beaucoup de questions, je pense que je vais te laisser continuer. On va avancer sur la présentation et puis on refera la session Q&A à la fin. D'accord, ça marche. Bah, franchement, j'ai déjà pas mal répondu, ou je vais peut-être aussi pouvoir avancer. Donc voilà, donc nous vraiment, notre objectif, c'est être focus objectif. Hein. On n'est pas focus sur l'organisation, les process qu'on va mettre en place. On est vraiment focus sur ce qu'on va livrer. Donc pour ça, on s'intéresse beaucoup aux utilisateurs finaux. On incarne ce que l'on vend parce que je disais, nous-mêmes, on a un produit. Donc nous-mêmes, on doit vraiment incarner ce qu'on vend et on ne va pas se laisser embarquer dans les travers de la culture projet. Quand on nous demande une roadmap, on dit qu'on peut pas. Néanmoins, on fournit un forfait. Puis un fort besoin de coaching aussi. Donc ça, on coach beaucoup. On est vraiment dans le coaching, on n'arrête pas. Et tout ça, pourquoi ? Pour infuser donc la culture produit par notre produit. Donc notre organisation. Donc, pour l'innovation pragmatique, itérative et utile, donc on a trois offres principales. Donc, ça va être la construction de la vision produit, donc pour déterminer le potentiel d'unité, parce qu'on est dans une banque. Si une idée n'a pas de ROI, à minimum, quand on ne peut pas faire de ROI, on va essayer de montrer le potentiel. Et donc, si une idée n'a pas de potentiel, il n'y a pas de raison de poursuivre. Donc là, nous, c'est ce qu'on appelle le proof of value. S'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de raison de continuer. Ensuite, on passe au prototypage. Donc, ça nous permet de résoudre toutes les questions pour démarrer des sprints sur des bonnes bases. Donc, des questions de conception, des questions de dépendance, des questions de faisabilité technique.
Et aussi, ensuite, on a la phase de développement. Donc, bah, là, pour conquérir son marché, parce qu'une fois que le premier MVP est sorti, c'est en général une fonctionnalité. Et donc, après, il en faut d'autres. Donc, pour ceux qui avaient des sujets autour de la... J'essaie de répondre en parallèle aux questions. Ceux qui avaient des sujets autour de la priorisation, pourquoi on choisit une problématique par rapport à une autre. Typiquement, donc, c'est proof of value. Voilà, vraiment une approche. Et comment est-ce que tu l'évalues? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? En fait, on l'évalue en fonction, il y a plusieurs critères. Il y a déjà la faisabilité technique. Est-ce que l'idée, elle est faisable? Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas. Il y aura aussi la politique. Est-ce que politiquement, c'est quelque chose qui va passer ou pas? Alors, quand je parle de politique, ça peut être interdépartement. Est-ce qu'on est légitime ou pas légitime? Et puis, ça peut être aussi d'autres choses, hein, parce que voilà, comme on a des traders également au sein du groupe, est-ce que niveau confidentialité, est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer? C'est vraiment des choses qu'on étudie en fait. Il y a tout ça, et après il y a aussi est-ce que les profils qu'on a en face de nous sont les bons, parce que pour développer un produit, il faut chacun a sa manière de faire les choses, mais pour développer un produit il faut avoir les bons profils autour de la table si on veut aller vite. On n'a pas le temps de, alors on peut coacher, mais on n'a pas le temps de former. On ne va pas former un PO, on va le coacher en disant, là, il faudrait que tu fasses ça. Là, ce serait cool parce que tu vois qu'on a besoin de ça. Et voilà, donc le potentiel, en fait, il prend plein d'aspects. Hein, il prend vraiment plein d'aspects. Après, est-ce que ça rentre dans la roadmap du département qui nous a sollicité? Si ce n'est pas pour cette année, si c'est pour l'année prochaine, dans ce cas, on réétudiera l'année prochaine. Ouais. Là, il y a plein de choses sur lesquelles on se base. Et d'ailleurs, toujours une petite question liée au potentiel, j'en profite pour attacher. Il y avait une question autour des ressources externes. Par exemple, si vous dépendez d'un cabinet de conseil et en fait, il y a une dépendance, une compétence qui n'est pas de ton ressort, ou d'un je ne sais, un SAP. Alors nous, du coup, on ne fait pas recours à la prestation externe, tout simplement. Pourquoi? C'est parce que le coût d'onboarding est beaucoup trop élevé pour nous, parce qu'on est pas bien financé. Et donc, le coût d'onboarding ne nous convient pas. Et en fait, il y avait aussi un travers qui ne nous plaisait pas humainement parlant aussi. C'est que prendre quelqu'un et puis dès qu'il n'y a plus de budget, le faire sortir parce que c'est un prestat, nous, on n'était vraiment pas du tout à l'aise avec le concept. D'accord. Donc, on préfère rester petit en interne et refuser des sujets. Enfin, voir le potentiel des sujets et prioriser en fonction de ça, plutôt que de se faire grossir momentanément pour ensuite, quand il y a eu la pandémie, il fallait faire sortir des gens. Nous, on était quand même contents de pouvoir continuer à bosser et pas qu'on nous oblige à sortir des gens. D'accord. Et, humainement, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal dans l'équipe. Très clair. Je prendrai la reste des questions à la fin. D'accord. Et donc, pour tout ça, donc dans l'organisation de l'équipe, donc on a imaginé un pôle stratégie, un pôle développeur, un pôle marketing et un pôle UX. Donc ça, c'est aussi une organisation cible parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu tout. Hein. Donc moi, je fais pas de dev, mais par contre, je suis capable de répondre à des questions de dev. On fait tous du marketing parce qu'on essaie tous de se promouvoir, de se rendre visible, tous, peu importe le profil qu'on a. Et le pôle stratégie, c'est là où on discute en disant, tiens, est-ce qu'on a plutôt intérêt à prendre ce sujet-là ou cette idée-là, l'autre idée-là. Alors, je veux bien qu'on s'arrête sur la slide précédente, justement au niveau des rôles. Très intéressant. Le pôle marketing, par exemple, il y avait une question. Comment, dans une boîte aussi structurée, j'imagine, il y a des périmètres pour chacun des départements et un département marketing dont le rôle est de faire du marketing. Et toi, tu arrives et tu fais du marketing aussi. Comment est-ce que tu t'assures qu'il n'y ait pas d'empiètement, pas de friction Tout simplement parce que nous, on fait du marketing, mais pour promouvoir le produit qu'on construit. On ne fait pas du marketing pour promouvoir le lab. On fait du marketing pour dire, on a fait une CV Tech. La valeur ajoutée de cette CV Tech. En fait, grosso modo, c'est juste une manière de présenter. C'est une manière de présenter notre travail, pas pour retomber dans les travers des ingénieurs en disant regardez, ce produit-là, il a telle fonctionnalité. Il sait faire ça, le truc que personne ne lit jamais. Mais nous, c'est plutôt dans le sens où on va essayer de présenter en montrant, soit en déroulant un use case, soit en faisant du storytelling, soit en donnant la plus grosse valeur ajoutée de ce produit-là. C'est plutôt une façon de présenter les produits qu'on crée, en fait.
Donc, le marketing ne se sent pas owner de ce sujet-là. Non, parce que ça reste très opérationnel ce qu'on fait. Ok. Super. C'est opérationnel. Et sur le volet UX, ça me fait penser, donc effectivement, dans la palette de compétences de ton équipe, on avait parlé du maquettage, du prototypage en tout cas. Si tu travailles sur une solution plutôt back-end ou un service d'automatisation de l'RPA, est-ce que là, en termes de livrable, comment tu gères la notion de livrable? En général, dans ces cas-là, en général, on fait quand même une petite phase conception pour justement l'UX, l'expérience utilisateur. Déjà savoir si on travaille sur une API, qu'est-ce que l'utilisateur il a besoin dans son API. Juste ces choses-là, donc vraiment une petite phase de conception qui est du coup plus minime que s'il y a un front à faire. Et par contre, c'est beaucoup plus le pôle développeur qui va avoir le lead là-dessus. Mais n'empêche, on s'est rendu compte que même pour faire du back, on a besoin quand même d'expérience utilisateur. Notamment dire, quels paramètres il faut rentrer, quels paramètres on attend, comment est-ce qu'on envoie ça, est-ce qu'on peut faire ça en batch ou alors il faut qu'on fasse en faisant des requêtes, des get ou des post tout de suite. Il y a plein de petites questions à se poser quand même. Et pareil, comment coachez-vous les PO data? Donc, je reprends le sujet, par exemple, d'une solution comme ça, un peu data. Est-ce qu'il y a un type de coaching particulier que tu fais auprès d'eux? Et d'ailleurs, je vais même agrandir la question, double question. Comment est-ce que tu, cette casquette de coach, quel type d'outils ou méthodes, ateliers tu mets en place de manière un peu plus globale et comment tu t'y formes? Ouais, du coup, je pense que je peux répondre groupé aux deux questions, hein, parce qu'un PO data, qui fasse de la data, qui fasse du bancaire, ça reste un PO. Donc, on sait ce qu'on a besoin, ce qu'on attend de lui, en tout cas. Et donc, nous, les outils qu'on utilise sont principalement le Lean Canva. Donc, déjà, systématiquement, chaque idée qui arrive, elle remplit un Lean Canva. Elle le remplit bien. On met pas, on cherche bien les problématiques, on identifie bien les populations utilisatrices. Et puis, après le Lean Canva, du coup, on remplit ce qu'on appelle un story map. Donc, on part tout de suite sur, je ne sais pas si vous connaissez story map, j'imagine que oui, mais c'est grosso modo, on va placer les utilisateurs, les activités, dans le temps, et puis les user stories, et en fait ça permet du coup de dire tel utilisateur aura telle interaction avec le produit, tel autre utilisateur en plus de cet utilisateur là aura telle interaction avec le produit, et en fait ça nous permet de commencer à drafter. En fait c'est comme un entonnoir, c'est au début on a une idée, donc une idée c'est tout et n'importe quoi. Le Lean Canva nous permet de réduire le flou. Le story map nous permet déjà de réduire plus le flou. Et puis après, on arrive au prototypage, test utilisateur et ensuite synthèse finale. Donc, on fait ce que je disais, donc le story map. Après, avec le story map, du coup, on fait l'expérience utilisateur, donc l'UX. À partir de l'UX, derrière, on va faire l'UI. Donc, on va maqueter, on va prototyper. Nous, on travaille plutôt en Lean UX qu'en design thinking. Ou en UX design pur, parce qu'on a besoin de montrer du concret très tôt. Donc, du coup, on va proposer un premier produit à partir des éléments qu'on a, et ensuite, on aura toute une phase de test utilisateur. Donc, on va tester 3 à 5 utilisateurs, parce que on voit qu'on peut retirer déjà des bons feedbacks sur une population de 5 utilisateurs. Et donc, du coup, on fait ces tests utilisateurs, et puis on ajuste le prototype, et puis ensuite, on fait une grosse synthèse finale qu'on présente à tout le monde. D'accord, donc d'une manière plus générale, pour chacune de ces étapes-là, tu es très inspiré, comme tu nous dis, j'ai l'impression du Lean, tu as la vision Lean UX, tu parlais du Canva, donc éventuellement le même Lean Startup en fait. En fait, moi je suis très Lean Startup parce que j'ai découvert ça dans ma vie d'entrepreneur, mais je me suis beaucoup intéressée ensuite au Lean UX, donc on mixe vraiment les deux pratiques en fait. D'accord. Mais ouais, très Lean Startup de base. Super clair. Voilà. Et donc, l'organisation de l'équipe nous permet d'avoir un cycle établi. Mais par contre, c'est comme je disais, on vend des offres de services qui sont claires et tout ça, mais rien ne nous empêche de les adapter. Donc, il ne faut pas qu'on soit rigide comme le projet et qu'on manque de flexibilité. Au contraire, on dit, parce qu'on a besoin de dire, ce qu'on vous propose. Donc, c'est la phase marketing. Mais derrière, on est complètement capable d'adapter en fonction de la maturité.
qui est important aussi à noter dans notre organisation, c'est qu'il y a un passage fluide entre chaque étape du cycle, c'est-à-dire que tous les pôles parlent entre eux, on est très transparent, et donc bah, quand un proto passe en dev, bah, le dev il a déjà vu une fois, et on organise toujours un point d'une heure, une demi-heure, ça suffit à passer les maquettes en dev, parce que comme justement il n'y a pas, on est la même équipe, on est très stable, on sait comment on travaille les uns les autres, et donc ça nous permet de gagner vachement de temps aussi. Et puis, ben, très important, c'est qu'on passe le temps qu'il faut sur chaque étape. Donc, même si en général, on fait 5 ateliers de 2 heures, ben, s'il faut un atelier plus grand, plus long, ben, dans ce cas, on le fait et on n'hésite pas. Donc, le bénéfice pour nos clients, parce que c'est quand même ça quand on conduit un produit, hein, c'est ben, qu'est-ce que le top management apprécie ? Ben, c'est qu'on mutualise les capacités digitales et data, parce que c'est l'un des grands axes stratégiques de la Société Générale. On se sert souvent de pilote. Voilà, bah, par exemple, là, il y avait un souhait de déployer Docker E. Bah, dans ce cas, on a été pilote. On a pu faire des premiers tests. Et puis, bah, on arrive aussi pour débloquer des situations. Bah, des fois, on peut être dans le bourbier, si je peux reprendre le terme. Des fois, en gouvernance projet, on peut être un peu dans un bourbier. Et donc, nous, on peut arriver en débloquant les situations parce que, bah, on va s'orienter. Plutôt que sur la gouvernance, on va s'orienter sur les utilisateurs, sur les problématiques, et donc ça peut faire évoluer des solutions. Ouais. Et donc concrètement, alors là, c'est une partie où j'avais mis un petit peu bah, les travers que je rencontre dans la culture projet et comment on y répond, nous, en mode produit. Donc, bah, si tu veux, on peut prendre des questions, sinon je peux y aller. Je pense que j'ai parcouru, ou ça, on a réussi à répondre à la plupart des questions. Je te laisse avancer. En plus, je pense qu'il y aura en plus des réponses à des questions qui n'ont même pas été posées. Donc. Ça marche. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on évolue en mode produit dans une structure orientée projet ? Eh ben, la première des choses, c'est comment est-ce qu'on gère un faux PO. Alors, un faux PO, ça va être un chef de projet qui a été recyclé en PO parce que maintenant, l'organisation est agile et qu'il n'y a plus de chef de projet, le rôle de chef de projet n'existe plus. Donc, on va lui dire qu'il est PO. Et donc, nous, des fois, ça nous arrivait souvent. Donc, en fait, on n'avait pas des PO en face de nous. On avait des architectes, on avait des managers de middle management qui étaient aussi avaient des chefs de projet. Enfin, voilà, on a tout eu, sauf parfois des PO. Et donc là, il faut vraiment se poser quelques questions. Il faut déjà se renseigner sur son passé professionnel, mais aussi son profil. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette personne-là ne remplit pas ce qu'on attend d'un PO? Faut pas incriminer, je pense, faut être compréhensible parce que je pense que c'est facile pour personne, hein, les réorganisations. Et donc, nous, voilà, on analyse un petit peu la personne, on fait son profil, donc on regarde sur LinkedIn, on se fait une idée de la personne, et puis on travaille avec elle, on la coach et tout ça, mais à un moment donné, on se pose quand même deux questions cruciales parce que nous, je le rappelle, il faut qu'on aille vite à un moindre coût. Donc, du coup, nous, on se demande si cette personne est ouverte d'esprit, si malgré le fait qu'elle est arrivée PO un peu par hasard, si elle a envie d'évoluer vers ce rôle-là, si elle est ouverte d'esprit et si elle est prête à écrire des user stories, par exemple, parce que des fois, les chefs de projet, ce n'est pas leur ressort d'écrire une user story. Donc, on se pose des questions si la personne est ouverte et puis si on doit continuer avec lui, parce que je le rappelle, nous, il faut qu'on avance. Donc on peut faire du coaching mais on ne fait pas de la formation. Est-ce que cette personne est à sa place? Et en général, quand nous on sent qu'une personne n'est pas à sa place et qu'on lève une alerte, la personne après est soulagée, parce que je pense que si on n'est pas à sa place, c'est-à-dire que la personne qui doit faire un rôle qui ne correspond pas, elle est 10 fois plus mal que nous, en fait. Elle est vraiment pas bien. Et donc, du coup, nous, on n'hésite pas à enfoncer des portes ouvertes, à mettre les pieds dans le plat. Mais en général, les gens ont envie de changer, ont envie d'évoluer parce qu'ils voient les bénéfices et tout ça. Mais voilà, il y a nous, à un moment donné, on peut coacher et à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Mais voilà, je pense que surtout sur cette question-là, c'est le côté humain qui prime en se disant, OK, t'es peut-être arrivé PO par hasard, mais est-ce que tu as les soft skills qui te permettront d'évoluer vers un métier comme ça ou pas.
Je confirme, ne jamais vraiment suivre les intitulés de poste, c'est un piège. 90% des cas, c'est un piège. Il faut regarder un peu plus la fiche de poste et vraiment ce qui est réalisé C'est par la personne et la manière aussi dont c'est fait, quoi. Qu'est-ce que... complètement ça, ouais. Ensuite, deuxième travers, futur projet qui arrive dans notre mode produit, c'est la fameuse question de la roadmap. Donc, vous savez, ce grand document qu'on doit réaliser à 6 mois, 1 an, qui n'est jamais exact, mais qui fait partie de tous les copiles, de tous les commobs, de toutes les instances inimaginables. Du coup, bah, nous, on adopte une attitude face à ça. Hein. On se demande déjà quels sont les enjeux. Donc, soit c'est une demande de roadmap. Pour être présenté dans un programme ou juste une roadmap projet ou juste une roadmap produit, on regarde un petit peu parce que la manière de reporter en mode produit, en mode projet, hein, va pas être la même si on reporte. Là, nous, on travaille actuellement sur un sujet de Christophe Leblanc, donc qui est le bras droit de Frédéric Oudéa. Ben, on va pas reporter micro, on va reporter très macro. Donc voilà, après, si c'est pour reporter à un top manager de département, on va essayer de lui apporter les informations qui lui sont nécessaires à lui. On va pas essayer de lui dire, bah voilà, tel jour on a fait un backlog refinement. Je pense que le backlog refinement, c'est pas sa préoccupation. Voilà, que le plan vers le succès, c'est pas forcément sa préoccupation première. Mais tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est si ça se passe bien ou pas. Voilà, donc il faut vraiment adapter. Faut voir la roadmap comme un besoin de reporting. Et donc faut vraiment l'adapter. Et puis aussi, il faut voir que ben, quand on nous demande une roadmap, la plupart du temps, c'est parce que les gens ne connaissent pas le mode produit, ne connaissent pas le monde du produit. Et en fait, ils ont peur. Ils ne savent pas, ils sont dans l'inconnu, ils ne connaissent pas. Et du coup, ils ont peur parce qu'ils se disent, ah oui, mais moi, là, il faut que je monte des résultats, mais je ne sais pas quand je vais avoir des résultats, je ne sais pas quoi mettre dans mes slides. Voilà, c'est surtout de la peur. Et donc, du coup, c'est pour ça que bah, je le disais, nous, on est vraiment très transparent sur notre démarche, sur l'avancement du sujet. On n'hésite pas à dire bah, quand ça va, quand ça ne va pas. On est vraiment hyper transparent. Et puis, bah, les livrables, on fait des livrables parce que ça rassure. Et parce que bah, nous, de toute façon, les livrables, comme on travaille itérativement, on les fait. Donc, autant les fournir, autant s'en servir, j'ai envie de dire. Donc, les livrables, ça peut être bah, soit une maquette, ça peut être simplement aussi un mail. Moi, je sais qu'à chaque atelier qu'on fait, même après un story map, même si le livrable, c'est le story map en lui-même, on fait un mail en disant voilà le story map, voilà les points à noter, voilà les alertes, voilà. Un mail. Et un mail pour le top management, c'est ce qui marche le mieux en termes de communication. Et puis, bah, fournir bah, forcément des résultats probants, bah, toujours dans l'esprit de rassurer, de dire, vous inquiétez pas, vous connaissez pas, mais nous on sait ce qu'on fait, on est experts, faites-nous confiance et vous verrez que ça marchera. Ça fait partie de la communication interne, c'est pas que des posts sur l'intranet, c'est aussi ça passe par la communication au sens savoir s'adresser à l'interlocuteur. Ah oui, non, complètement. Complètement. Voilà, comment soigner la réunionite? Parce que donc, du coup, la culture projet, c'est des instances, une gouvernance. Et donc, ça se traduit comment par des réunions? Alors, nous, la réunionite, ben justement, c'est un des travers auxquels nous, on lutte, contre lequel on lutte beaucoup, parce qu'on a divers sujets au sein du lab. Donc, du coup, on est pris dans la gouvernance de chacun des sujets dans lesquels on est pris. Et donc, ben, nous, notre prescription, ben, c'est de challenger, demander toujours un ordre du jour, de challenger, de demander s'il y a vraiment besoin de nous, de ne pas hésiter à renvoyer, parce qu'en fait, nous, on alimente, alors, un PPT, je sais que ce n'est pas le mieux, hein, mais c'est ce qui marche bien. Pour nos clients. Voilà, nous, je sais qu'on alimente un grand PPT qui est une synthèse dans lequel on consigne tous nos travaux, on consigne tous les livrables, on met les liens vers les protos, on met les liens vers un répertoire Teams, on met les liens vers les documents. Et en fait, on n'hésite pas aussi ce document, du coup, à le passer, à le fournir. Donc, il est construit petit à petit. Et en fait, on n'hésite pas à le passer en disant, voilà, si vous avez des questions, c'est là-dedans. Si vous avez d'autres questions, bah, dans ce cas, vous nous faites un mail ou vous nous rappelez. Non, challenge. On challenge toujours, on donne de la visibilité, on a toujours cette grosse synthèse à disposition qui existe pour chacun des sujets qu'on fait. Et puis voilà, on ne se laisse pas embarquer dans la gouvernance de la culture projet. Voilà, donc il faut vraiment challenger, il faut vraiment être maître de son temps. Ensuite, que faire quand on a un cadrage ou des petits, quand un cadrage ou des spécifications ont été rédigées? Alors là, ce que je vais vous dire, ça peut-être vous paraître marrant, mais c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. Ça va être de remercier avec courtoisie les personnes qui vous envoient ça.
Parce que bah, y a du travail qui a été fourni. Hein. C'est des personnes qui ont dû le faire parce qu'elles le voulaient ou qu'elles ont été obligées de rédiger ces documents. Donc, bon, on les remercie beaucoup. Hein. Mais on leur dit quand même qu'on refera des ateliers X avec les end-users. Et que, du coup, nous, on justifie en disant que ça ira vite parce qu'il y a déjà un cadrage ou des specs qui ont été rédigés. Mais on refait les ateliers. Donc, on remercie les courtoisies, on a fait les ateliers. On ne lit surtout pas ces documents. Déjà pour s'éviter un mal de crâne. Et aussi bah, pour éviter d'être pollué par des faits qui ont été imaginés en chambre et pas avec les utilisateurs finaux, parce que ça, malheureusement, ça arrive très fréquemment. Et puis, bah, voilà, on ne se laisse pas prendre dans le travers de lire, d'essayer de comprendre chaque point d'un cadrage, chaque point de spec. Donc voilà. Néanmoins, on est quand même conscient qu'il y a du travail de fourni, qu'il y a des efforts de fourni, que ce n'est pas facile de faire ça et tout ça. Mais en général, ces documents, on n'entend pas compte. D'accord. Et donc, les personnes, enfin, les porteurs de projet sont à l'aise avec le fait que si tu as des conclusions différentes à l'issue de la recherche, tu pars dans une direction différente. Ah oui, bah en général, ils sont plutôt à l'aise, hein, D'accord. parce que bah tout simplement parce que quand ils ont dû rédiger ça, ils savaient très bien que c'était pas tout à fait sec. J'ai escorté des mains, je pensais l'avoir mis en mute. Mais du coup, en fait, ça leur fait du bien d'aller voir les end users parce qu'en fait, il y avait plein de questions auxquelles ils ne savaient pas répondre. Ils avaient essayé d'apporter des réponses, bah, des hypothèses, hein, tout simplement. Et ils n'étaient pas certains. Et donc là, ils voient que ça fonctionne bien. Après, nous, on ne les lit pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont rédigé ces documents-là font partie des ateliers UX. Donc, elles sont là avec la connaissance. Et moi, en tant que product designer ou product coach, je n'ai pas besoin de les lire, en fait. Au contraire. Très clair. Donc voilà, ensuite, j'ai aussi participé à des réunions quand chacun des interlocuteurs avait sa propre vision produit. Chacun des participants avait sa propre vision produit. Ouh, pardon. Le spam. Je vous ai dit qu'on était très digitaux dans la team. Ah oui, dès 14h, j'ai une réunion en plus. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça, en fait, je te laisse Voilà. continuer. En fait, quand chacun sa vision produit, dans ce cas, nous, dans la grosse synthèse qu'on a fait, on met toujours le succès, la mesure du succès, le plan vers le succès, et on le rappelle en chaque début d'atelier de réunion. Comme ça, on aligne tout le monde dès le début d'un atelier sur ce qu'on va faire et sur nos objectifs. Et puis, bah, comment est-ce qu'on peut paralléliser? Nous, c'est ce qu'on nous demande souvent, même si tout n'est pas sec, même si la conception, on est encore en discovery et tout ça. Du coup, nous, on n'hésite pas à dire, non, on ne peut pas faire tant que c'est bloqué, on n'avance pas parce qu'on ne fait pas du rework. D'accord. Donc voilà, donc vous avez le pourquoi, vous avez le comment et notre quoi. Donc on a réussi à créer un cycle complet de l'idée à la mise en prod. Ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a je ne sais pas combien d'années, qui est toujours d'actualité. Donc je suis quand même plutôt fière et contente de pouvoir le montrer. En tout cas, merci pour votre participation. Et je peux Merci beaucoup, vous Sabrina, pour le retour. C'était super intéressant. Plein de choses, je pense, applicables par les participants qui sont confrontés à la même situation. J'ai oublié là, j'allais sortir une expression, c'est dans la contrainte que l'innovation est créée. Bon, bref, je suis trop fatigué pour me rappeler de la forme. Mais voilà, en tout cas, on sent que tu as beaucoup réfléchi à tous ces sujets, tu as réussi à trouver des solutions hyper intéressantes et merci pour ce partage du coup. C'était super. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, n'hésitez pas. Alors, si vous voulez mes slides, n'hésitez pas à m'écrire, mais plutôt à l'adresse complice de votre succès, si vous voulez le slide deck. Et puis, si vous avez des questions, parce que je sais qu'il est 14h, n'hésitez pas à les poser sur LinkedIn ou en privé, par message dans LinkedIn. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec grand plaisir. On ne manquera pas. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous. À plus tard. Au revoir.